Ça tourne? Oui, ça tourne. Ah, bonjour. Wesh, bande de bijoux ta galactique! Bref, aujourd'hui, petit thème que vous nous avez tant demandé, une story time, ou du moins plusieurs story time nous concernant sur notre vie, sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on a volé voilà. Et pas volé. Enfin bref, plein de mini story time. Et en fait, comme on savait pas comment introduire le truc, on vous a demandé sur Instagram de nous poser plusieurs thèmes pour voir si ça nous rappelait des histoires ou pas. On en a récolté quelques-uns. J'en ai des pas mal. Moi, j'ai des petites stories à raconter de ouf. Moi, je vous conseille de rester vraiment jusqu'à la fin. Vous allez choquer de ma vie sans plus tarder. Commençons. Alors, le premier thème qu'on nous a posé, c'est sécher les cours ou des anecdotes au lycée. Moi, pour faire bref, j'ai beaucoup séché les cours. Mais il y a une histoire qui me revient en tête. C'était au collège. Il faut savoir que j'avais des potes. Et en fait, ça nous arrivait de sécher les cours. Et il y avait un surveillant. Je mets entre parenthèses surveillant, vous allez comprendre pourquoi. Il y a un surveillant, il savait qu'on séchait les cours parce qu'on lui disait. Et des fois il disait ouais là je suis obligé de vous mettre absent. Et c'était un peu un... En mode il aimait bien nous bolos. Tu connais les surveillants qui aiment bien nous bolos. Il en profitait hein. Ouais il en profitait de son statut de surveillant ouais. Et il s'avère qu'un jour une fille qu'on connaissait au collège, elle nous aimait bien. Elle a dit ouais est-ce que je peux vous confier un secret et tout, non. On se dit ouais dis-nous tout ça. Elle dit ouais tel surveillant en fait il me parle sur Facebook. Vous savez c'était l'époque Facebook. Il me parle sur Facebook tout ça. Mais tu m'avais raconté je crois celui-là. Ouais. Vas-y continue. Et nous on se dit comment ça il parle sur Facebook tout ça. Vas-y fais voir la conversation. Elle nous montre la conversation. On voit sur la conversation ouais t'es trop belle et tout ça non. Ouais. Mais le poteau il devait avoir la vingtaine. Et elle avait quoi? Elle avait un an de moins que moi. Mm-hmm. Ouais elle avait je sais plus, elle était plus petite que moi. Je sais plus si j'étais en quatrième. Il me semble que j'étais en troisième et elle était en quatrième. Ouais c'était ça. C'était mon année de brevet. Et on s'est dit ah ouais on voit la conversation que des trucs bien chez moi. Non. Des grosses fesses envoie moi des. Genre le surveillant il a dit. Ouais ça, vraiment des surveillants en mode bien, faut dire les termes, hein. C'est un pédophile. Et nous on s'est dit quoi? En fait on a mal utilisé le truc. On s'est dit arrête de lui parler tout ça. Ou vas-y ça va être bizarre pour toi et ça va être bizarre pour lui. Elle a dit vas-y je vous fais confiance. Parce qu'en fait on était un peu ses confidents. On lui a dit ok, maintenant on s'est mis à sécher les cours. On s'est mis à sécher les cours. Un jour comme ça on arrive à l'accueil. Et je sais pas si toutes les accueils de France c'est pareil. Mais tu sais on avait une vitre. Ouais nous aussi. Et tu passes ton carnet comme ça et tu t'es passé une vitre. Ah non. Je sais pas c'est une vitre mais et... Ah non moi c'était une barrière juste tu rentres dans le... Tu montes ton carnet tu rentres. Non tu sais la loge. Ouais il y avait une loge. Oui. Ah oui. Il y avait une oui, vitre. Oui moi aussi vitrée. C'était un peu. Ouais c'était comme c'était ça vitrée. La vie scolaire. Ouais voilà la vie scolaire. C'était vitré. Ouais. Et on tombe sur le surveillant en question parce qu'on l'avait jamais attrapé. Il dit ouais vous séchez beaucoup tout ça en ce moment tout ça non. Écoutez le plan machiavélique qu'on fait. On a dit ouais, moi c'est moi j'ai parlé. Je dis ouais, on sèche de ouf et alors t'es un ouf toi. Et je parle comme ça. Je dis comment tu me parles toi tout ça non. Je dis toi comment tu parles, je te parle comme ça, tu vas faire quoi? Maintenant le surveillant il dit ouais tu veux je te nique ou quoi toi, je vais te mettre absent sur tous tes cours et tout ça. Je dis ah ouais. Mon pote il dit quoi? Il dit d'ailleurs là on va sécher la prochaine heure là. Tu vas enlever l'absence. Il nous a regardé comme ça. Et ouais bah tu m'étonnes, il va nous a regardé comme ça en mode mais qu'est-ce que tu me racontes toi? Il dit ouais mais qu'est-ce que tu me racontes? On dit ouais t'as très bien compris. Après on se rapproche de la loge comme ça, on dit poto, regarde. On montre, c'était pas des screens. On dit, ouais, si tu veux pas que ça sache que tu parles avec 1-1-1, c'est mieux t'enlèves nos absences. Le poteau, il est devenu tout blanc. Il est devenu tout blanc comme ça, il nous a regardé comme ça. En fait, il a capté dans son visage, il s'est dit, mais dit, wesh, my God. Dinguerie. Je vous jure, pendant au moins 2-3 mois, il faisait que d'enlever nos absences. Mais au moment, sa santé, ça commençait à devenir cramé. C'est-à-dire, on a ralenti le sessage. Mais il vous a dit, non? Un jour, il vient nous voir, il dit, s'il vous plaît, les gars, ralentissez un peu les absences, tout ça. Mon poteau lui a dit, vas-y, fais là, comme ça. C'est-à-dire, du début jusqu'à la fin de l'année, c'était devenu notre bolos, notre larbin. C'est-à-dire que, ouais, quand on lui disait d'aller faire un truc, d'enlever l'absence de telle personne, carrément, on avait monté un business. Des gens venaient nous voir, ils nous payaient. Je te jure, ils nous payaient pour dire à ouais de lui il enlève l'absence. Mais on disait pas que c'était lui le surveillant. Oui, en gros tu disais. En mode les gens disaient ouais nous on a les contacts de vous faire enlever vos absences. Dites-nous et on enlève vos absences. Dingue. Ou tel tampon pour une absence qui va pas les justifier. T'es malade quoi, ça passe, ils vont voir ça. Ça passe, t'es fou. Mon année scolaire de la 3ème, je crois j'ai fait la moitié des cours. Et voilà. Petite story concernant les séchages de l'école. T'en as bien profité, hein. Tout le monde ouais. Aurait voulu avoir ça. Vraiment. C'est dingue. Enfin bref. Bon, en fait, moi, faut savoir déjà, je tiens à vous le dire directement, que je suis trop nulle en bêtise. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une bêtise, je me faisais cramer. Mes parents, ils étaient trop à fond derrière moi sur l'école. C'est-à-dire, ils regardaient tout le temps Pronote, tout ça, tu vois, pour vraiment voir que j'étais bien.
à l'école, etc. Tes notes, tout ça. Tout ça, je te jure. Ah oui, c'était à fond. Surtout, comprends. En fait, c'était pas mon père, c'était ma belle-mère. Elle était grave à fond. Et en fait, un jour, j'ai séché et tout. J'ai séché de, je crois, de 15h à 17h. Ah ouais, t'abuses. Tu vois ce que je veux dire? On n'avait pas cours. Et tu sais, quand t'as pas cours, c'est écrit sur Pronote, tel prof est pas là. Bah, ça veut dire, moi, je rentre et tout à 17h, je suis trop contente et tout. Et moi, je devais rentrer en fait à l'heure pile. Mmh. Ah oui, j'ai oublié de dire. Je devais rentrer à l'heure pile. Dès que c'est fini les cours, je rentre. Ah ouais, tu pouvais pas bifurquer sur un petit non, tout ça. Non, pas du tout. Bref, donc du coup, à 17h, je suis rentrée et tout. Et ma belle-mère, elle m'a dit, ouais, t'étais où et tout, de 15 à 17. Moi, menteuse que je suis. Je lui ai dit, bah, j'étais à l'école. Pourquoi? Ah bon? Mais sur Pronote, c'est pas écrit que t'étais à l'école, hein. Ça, j'ai dit non, mais ils ont dû me noter absente, mais ils ont pas fait exprès, etc. Machin truc. Bah, elle m'a dit, t'es sûre que t'étais à l'école aujourd'hui? J'ai dit, bah oui, tu peux même m'appeler. Ah! En plus, j'ai déjà sorti cette phrase. T'as déjà sorti. On sort en mode l'ultime vérité en pensant que tu dis, ouais, ça se voit, il ment pas. Voilà, je vais pas prendre en disant, le risque en disant vas-y, ça. Vas-y, appelle! Moi, je suis sûr de moi, appelle! Ouais. Appelle! Vas-y! Alors que tu dis, s'il appelle, je suis mort. Là, vraiment, c'était vraiment ça. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bah non, tu peux appeler et tout. Ils vont te dire, ma belle-mère est trop intelligente. D'accord, Maëva, on va appeler. Aïe. Oh mon dieu, la sueur. Hein. La sueur au front. Ils ont appelé. Bah, du coup, non, elle n'était pas à l'école. J'ai même pas vu le truc arriver. C'était une corde à sauter. Tu vois, les cordes à sauter bien fines, genre, comme ça, genre, à ça. Ouais. Je me suis fait fouetter, hein. La vérité. Ah non, c'était dur. Ce sera story time enfant battu. Voilà, exactement, story time enfant battu. Non, en vrai, j'ai fait trop de conneries. Mais en fait, ce qu'ils ont en pas vrai, aimé. C'est la vérité. Ouais. T'as menti. En fait, c'est parce que j'ai menti. Bah ouais, t'étais où, ma gueule? C'est pour ça que je dis, moi, plus tard, mes enfants, ils pourront pas me. En vrai, si moi j'ai des enfants plus tard, si Dieu veut, faudra vraiment être très, moi très, aussi. Très créatif et original. J'ai tellement créatif. Et vraiment que ça sente. Pas le mensonge sur ton visage parce que en fait si cette vidéo reste sur YouTube et que j'ai des enfants et qu'ils la voient les gars faites un effort parce que j'aurais le seum de vous cramer carrément, j'aurais vraiment le seum. Voilà. Vidéo pour mes futurs enfants parce qu'en fait je vais vous cramer, je vais en jouer. Tu vois je vais devoir te taper, je vais devoir te niquer. Non, je vais pas taper mes enfants wesh. Ah ça y est, par contre faut arrêter. Non en vrai. En vrai des petites volées comme ça, tu fous une petite claque là, t'inquiète tu vas comprendre, ça y est. Moi c'est comme ça qu'on m'a éduqué perso. Moi on n'est pas mort. Une personne très très bien. Moi aussi. J'ai pas été un enfant battu. À l'heure actuelle carrément mes parents ils en rigolent, hein. Ils savent très ouais, bien. Ouais mais moi je rigole. Ils en rigolent. Ouais voilà. Bref allez on passe anyways. Au sujet suivant. Est-ce que Maëva tu as fait des bêtises à l'école? École c'est à dire? Bah l'école une bêtise ou... Mis à part le fait que t'as séché. Non, j'ai jamais rien fait à l'école. En tout cas, y'a rien qui me vient en tête. Moi, pour vous faire court, à l'école, j'étais pas forcément un perturbateur, mais j'étais agité et j'aimais bien la bagarre. C'est-à-dire que ceux qui étaient au collège avec moi, si vous tombez sur ces vidéos-là, cette vidéo YouTube-là, il y avait tous les jours des bagarres. Que ça soit de la maternelle, la primaire, même mes parents pourront confirmer, la maternelle, collège, lycée, que bagarre. Avec du recul, je me dis, mais j'étais fou. Ça, c'est pour faire un résumé de moi au collège. Un jour, je me suis battu et il y a eu un mot. Je me suis battu en classe. Je sais plus pourquoi. Il y a eu un mot dans mon carnet. Ouais. Et moi, je dois faire signer le mot à ma maman. Oh, et ma maman, qui m'a trahi ce jour-là, elle me dit, tu feras signer le mot à ton père. Je me suis dit, pourquoi tu me fais ça, maman? Ouais, elle a vu le... Ouais, elle a vu le mot. Ah, elle a vu, elle okay. a dit... En fait, des fois, ma mère, elle aimait bien nous bolos comme ouais, ça. Ouais, parce qu'elle sait... En mode, elle sait que elle, vas-y, ça passe. Si je lui dis, tiens, maman, j'ai un mot. Le soir, mon père regarde du foot. Vous savez, j'ai essayé d'adopter la technique un peu quand ils sont distraits. Ouais, pour qu'ils viens sont bien fait. Et vas-y, peut-être ils signent et après je me taille. Mm. Mon père regarde du foot. Je dis, papa, faut que tu signes ce mot. En plus, en mode sûr, encore. Ouais, c'est même pas un mot. C'est la prof, elle a mis tout ça. Non. D'abord, je sais pas pourquoi il était concentré sur mon carnet. Il devait pas se passer des actions à la télé. Il regarde, il me regarde comme ça. Il regarde, il ferme. Il dit, tiens, dépose sur la table, va te laver. Va te brosser tes dents. Quand le match il est fini, je te rappelle. Écoutez. Et ça c'est le. Je me suis dit ah ouais, ça y est, je suis fini. Et comme il avait pas l'habitude de voir mes mots, il me dit ouais, descends tout ça. Je descends. Il voit tous mes mots. Oh, il voit tous mes mots. Et moi je suis là non mais t'as pas besoin. Il me regarde comme ça en mode poteau, enlève ta main. Il dit y a beaucoup de mots que j'ai pas vu. Hein. Il m'a dit à partir d'aujourd'hui je vais contrôler. Maintenant. Il dit regarde écoute-moi bien. Il dit je fais une ligne rouge. Il fait une ligne rouge. Je te dis, il me dit à partir d'aujourd'hui, s'il y a un autre mot qui dépasse cette ligne rouge, je t'allume. Il m'a parlé français. J'ai avalé ma salive. Hein. Je me suis dit oh, putain, là demain à l'école, je suis azelé. Mais je sais pas pourquoi je suis fou comme ça. Le lendemain je vais à l'école. Vous connaissez quand il y a eu un truc, les premières heures, vous êtes bien. Moi je me dis à 8h jusqu'à 10h, je me dis ah ouais faut que je reste carré. De 10h à midi ça commence à se dégrader. J'ai la même prof qui m'avait mis un mot. Elle me dit ouais,
Elle me dit, t'es agité aujourd'hui, je vais te remettre un autre mot. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, faites pas ça. Madame, s'il vous plaît, faites pas ça. À la fin du cours, je faisais que lui dire, faites pas ça, s'il vous plaît. Je vais me faire frapper, faites pas ça. Et j'ai l'impression des profs, ils kiffent savoir qu'on va se faire battre. Ouais. Écoutez, hein, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je savais que j'allais me faire fumer. Je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas ramener ce carnet là chez moi, c'est mort. La tête d'homme, je l'ai jeté à la rivière. Je l'ai jeté à la rivière, je veux rien savoir. Comme ça, y a pas de preuve, m'en fous. Maintenant, le soir, je rentre chez moi. Le soir, je rentre chez moi, tout ça. Mon père, il dit, ouais, comme d'habitude, dépose ton carnet là, je vais regarder après. J'ai dit, ah, j'ai perdu mon carnet. Il m'a regardé, il a rigolé. Il a dit, t'as perdu ton carnet. Je dis, je te jure, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, je l'ai rangé, quand tu l'as pris, tout ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Hey, t'imagines trop petit. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas, papa, je sais pas où est-ce qu'il est mon carnet. Après, j'essaie d'enchaîner, tu vois, je me dis, non, mais t'inquiète, de toute façon, j'ai 3 euros. Un carnet, ça coûte 3 euros. Mmh. Je vais à la vie scolaire, il m'en repasse un. C'est 3 euros, papa, t'inquiète. Mmh. Il m'a attrapé comme ça. Il a dit, regarde, t'es malin. Ton carnet, tu l'as soit jeté ou tu l'as soit caché quelque part. Il m'a dit, admettons, tu as perdu ton carnet. Je le regarde comme ça. Il dit, je sais que t'as eu un mot, mais j'ai pas vu ce mot. Il me parle comme ça, il me dit, je l'ai pas vu. Mmh. Dieu t'a épargné. Mmh. Achète ton carnet demain, on refait la même ligne. Il m'a dit comme ça, s'il y a un autre mot, je t'allume plus que je devais t'allumer. Je me suis dit, attends, pourquoi je me suis embarqué? Pourquoi il veut me taper, wesh? Le lendemain encore, mais dis pas que t'as fait une bêtise. J'ai acheté mon carnet, j'ai eu un autre mot. Mais comment? Je sais pas. Mais je sais pas. Je ne sais pas, je sais pas comment t'expliquer. Le soir même, j'ai dit, papa, elle m'a mis un mot, mais en fait, c'était un autre mot qu'elle avait oublié de mettre dans un autre cours. Il m'a mis une claque, il m'a enlevé la parole direct, j'ai perdu ma voix. J'étais en train de parler. Papa, je vais vous épargner les détails hein, parce que là ça va être long. Il m'a fumé. Et carrément ça c'est une autre histoire après. Je devais avoir sport. Et cette story, je suis vraiment désolé, cette story time elle est longue. Moi dans ma tête, j'ai oublié, je me suis fait fumer. C'est-à-dire j'ai mal au dos. Le prof de sport, ouais monsieur, je suis pas là à l'infirmerie de ça, j'ai pas envie de faire sport de ça, j'ai mal au dos. Mais moi j'ai oublié, je me suis fait chauffer, tu vois. Je vais à l'infirmerie tout ça, elle me dit ouais t'as mal au dos. Je dis ouais j'ai mal au dos. Elle me dit ouais enlève ton t-shirt. J'enlève mon t-shirt, j'avais un gros bleu là et un gros bleu là. Mais que deux bleus. Elle descend mon t-shirt et tout. Elle dit, ça va à la maison? Je dis comment ça à la maison ça va? Je dis ouais tranquille, ça va, les frères et sœurs ça va. Elle me dit, tes parents t'ont déjà tapé? Je me dis, mais de quoi elle me parle? Je dis, ouais, mon père il me frappe et tout, des fois. Je dis ça comme ça, mais azulé. En fait, pour moi, c'était vas-y. Oui, en fait, pour toi, c'était rien. Fils, mon frère, mon père, quand je fais des bêtises, il me tape, il me met bien, tout ça. Il me dit, tu sais, un enfant ne doit pas se faire taper. J'ai dit, ouais, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, tu as deux grosses marques et je pense que tu t'es fait taper, tu essayes de me mentir. J'ai dit, non, ah non, j'ai dit, ah, non. Oui, il dit ça comme ça. Ah, non, c'est parce que mon père hier il m'a bien frappé, hein, parce que j'ai fait de la merde. Hein. Elle me dit, je suis obligé d'appeler la police. Quand elle a dit police, je me suis levé de ma chaise. J'ai dit, hein? J'ai dit, police pour qui? Pour ton papa, ils vont venir le chercher. J'ai dit, madame, pour le bien de tout le monde, déposez ce téléphone. Madame. Vraiment? Madame, déposez le téléphone. J'ai juste fait une bêtise, il m'a tapé. Je vous jure, j'ai dû parler 30 minutes avec elle dans le bureau, je l'ai convaincue, elle m'a dit bon, la prochaine fois, ça, il n'y a jamais de prochaine fois. Et voilà, j'allais finir en famille d'accueil là. Vraiment, laisse à tout moment. Waouh. Eh, ça me choque carrément l'histoire. Mais moi, par contre, j'ai un petit truc. Tu m'as fait penser à un petit truc, mais c'est vite fait là, j'ai pas besoin de raconter comment ça s'est passé, c'est plusieurs fois. En fait, moi, j'ai déjà eu un mot dans mon carnet, tu vois. Mais en fait, quand j'ai un mot et je sais que je vais me faire niquer comme toi, genre, je signe à la place. Là, genre le truc à pas faire, je recopie la signature comme ça, mais tu sais, ça se voit. Ouais, ça se voit que c'est moi je fais comme ça carrément. Tout lent. Allez, c'est pas ça se voit, y a pas de fluidité dans la signature. La vie, mais un jour ils ont regardé. Qui a signé ça? Mais en fait, tu sais, ils regardent les parents, genre ils regardent les mots, mais ils regardent aussi avant. Je sais pas pourquoi ils veulent regarder avant. Ils regardent avant, ils disent, oh, j'ai pas vu ce mot. Signature. Ouais, ils font de la lecture. Bah ouais, t'as en plus, ils me disaient, tu sais que là, en plus, ils me parlaient comme ça, mais j'étais petite, j'étais au collège, genre. Ils me disaient, tu vois la signature là? On peut appeler la police, hein. Et c'est vrai, t'as le droit de ouais, d'imiter une signature. Ouais, si tu signature, tu peux aller en 11. Ils aimaient trop me parler comme ça, hein. Bref, c'est pas fini. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger, ça va être long. Vous nous l'avez demandé, vous l'avez. Alors, du coup, c'est une question en mode, c'est un thème, mais c'est en gros, le thème, c'est est-ce qu'on a déjà fait pipi sur nous étant grand? Non. Ok, alors moi, oui. Dinguerie. Attends, je t'explique. Je te jure, mais je crois que je t'avais raconté, je suis plus sûre. Bref, déjà, faut savoir, à l'époque, en fait, j'utilisais Facebook, moi. Et mon père, il m'a toujours dit, tu fais pas de Facebook, je veux pas que t'aies de Facebook, c'est interdit pour toi. Après, les parents, ils voulaient pas, c'était un peu perverti, là-bas. Je sais pas, ouais. En tout cas, mon père, il voulait pas du tout Facebook. Il voulait pas. Ça veut dire, moi, Maëva,
je n'écoute pas en fait. Pour moi, je veux Facebook, donc je vais l'avoir. Donc moi, je fais quoi? Bah, je crée plein de Facebook. Carrément, j'avais même une DS. J'allais sur Facebook avec ma DS. Vous voyez le navigateur DSi? J'allais sur le navigateur, je regardais Facebook. C'était en mini-écran comme ça. J'étais matrixée. Matrixée. Vraiment matrixée. C'est-à-dire que je créais des Facebook à chaque fois. Mon père, il m'a cramé plusieurs fois. Bref, vous savez, il m'a niqué. Mais en fait, à un moment, j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'arrête de faire des Facebook. Et mon Facebook, en fait, j'étais connectée à mon email. Donc bref, un jour, je vais regarder des vidéos YouTube sur mon téléphone, tu vois. Et mon père, en fait, il prend le téléphone le soir, etc. C'était vraiment réponse. Ouais, il y a des trucs qu'il voulait pas, mais bon, d'un côté... Ils ont eu raison. D'un côté, ils ont eu avec raison. Avec du recul, tu dis... Ouais. Surtout comment j'étais, bref, malgré qu'il faisait ça. Donc en gros, je regardais YouTube et mon père aussi, il ne voulait pas qu'on regarde Violetta. Violetta, c'est truc avec des... Genre, c'est bisous, ouais, elle chante, elle connaît des mecs et tout, tu vois. Mon père voulait pas qu'on regarde Violetta, c'était mort. Et en fait, moi, un jour, j'étais sur YouTube comme ça et je regardais Violetta. Sur mon lit, j'étais couché et tout. J'entends un pas qui arrive, hein, mais bat vite. Je sais pas, comme ça. Ouais, Maëva, j'ai caché le truc comme ça. Sur mon oreiller, j'ai fait ça direct. Mon père s'est dit, ouais, chelou, pourquoi? Il prend mon téléphone. Oh mon dieu, la panique. Il part dans la chambre, il revient, il me frappe. Je me suis pissé dessus direct. Pipi dessus. Mon dieu, bah on change le drap et tout. J'étais. J'étais dans le coin, tu sais, quand t'es sur le coin, tu veux pas. Tu veux personne te voit. La honte de ma vie. Et en fait, moi je pensais que c'était par rapport à Violetta, tout ça. Mais au final, les semaines après, j'ai compris que c'était par rapport au Facebook. Et j'ai regardé mon père, je lui ai dit, mais tu sais que tu m'as niqué pour rien. En fait, ce jour-là, au final, je me suis fait niquer pour rien. Il croyait en fait que j'avais encore Facebook par rapport à mon email. Parce qu'il a vu une notification Facebook alors qu'en fait, j'étais pas connectée dessus. C'est juste que c'était connecté à mon email. Je me suis fait pipi dessus. Fracata. Mais en fait, c'est la manière dont il est arrivé. Il est arrivé tellement vite. Je crois que t'as déjà dû avoir le stress sur toi quand il a pris ton téléphone. Déjà, j'ai eu le stress. Et quand il a dû venir d'un coup, tiche. C'est la peur, en fait, c'est vraiment peur. Quand on te dit je vais me faire pipi dessus, c'est réel. Notre petit thème, c'est toujours à l'école. C'est pas vraiment à l'école, c'est à la sortie de l'école. Là, vous voyez, on commence un peu à s'en aller de l'école. Là, c'est à la sortie de l'école. Et cette histoire, c'est une dinguerie, pardon. Un jour, je suis grave pressé de rentrer chez moi. J'avais de la musique dans mes oreilles et je suis allé chercher un truc au supermarché. Il fallait que je retraverse la route pour prendre mon bus parce que mon bus il est arrivé. Et moi, je suis en train de courir. Au moment où je cours, une voiture à plus de 50, elle me tape. Je me fais tamponner. Vous voyez quand mon corps il a volé, carrément j'ai vu ma tête faire ça dans les airs. Ah, mon corps il s'est étalé sur le sol. Et en fait, vous voyez quand j'étais au sol, je vous jure, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais attendez, je vais me faire taper là. Dinguerie. Ah ouais, c'est chaud. Mais attendez. Imaginez la scène. Je vous jure, j'étais comme ça. Il reste comme ça. Et lui il pense dans sa tête, oh, ouais, c'est chaud là. Et je vous jure, dans ma tête, je me suis dit, mais wesh. C'est la honte de se faire tamponner. La vie, je dois me lever. D'un coup, je me suis levé. Les gens, ils ont fait wesh, wesh, wesh. Ils ont dit wesh, 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 reste ici, tu vas te faire taper. Sur les gens, lâchez-moi là. Lâchez-moi là. Lâchez-moi. J'ai besoin de prendre mon bus, il y a mon bus. Les gens ont dit arrête, arrête, regarde ton bras. Maintenant, je fais hein. Je fais ça. Direct, je regarde mon bras. Mon bras, il est complètement à l'envers. Il se balançait, wesh. Mon bras, il penchait même pas. J'ai ramené mon bras comme ça, je fais. J'ai senti la douleur direct. J'ai ramené mon bras comme ça, j'ai fait. Et j'avais mal partout sur mon corps par contre. J'avais mal au menton, j'avais mal au cou. T'as tout senti. J'avais toutes les douleurs, elles sont venues d'un coup. Bon, je sais pas pour toi, mais moi j'avais. Il y a un thème qu'on nous a demandé, c'était couper les cheveux. Une bêtise où tu t'es coupé les cheveux. Moi j'en ai une. Mais c'est un truc vite fait. Vite fait. Mais peut-être. Comme toi c'est un truc vite fait, moi c'est encore plus vite fait, je pense. Vas-y. Moi c'était en confinement, c'est pas une bêtise, je crois qu'on a tous fait la boule à Z. Oh, c'est pas une bêtise. On a tous fait la boule à Z, après je me suis improvisé barbeur, je faisais des contours un peu éloignés ici. T'étais moche, t'inquiète, ils ont vu la vidéo. Ouais, vous avez dû voir, tu du coup je me faisais flop de calvitie. Ouais, j'ai enfin, capté. Bref, c'était des petites bêtises. Ah, moi c'était une petite bêtise, c'était en primaire. Et vous voyez quand on fait des nattes, il y a de la saleté, tu vois, quand ça reste trop longtemps. Moi ça me dérangeait, j'aimais bien enlever la saleté, j'ai un tic, je sais pas, j'aime bien enlever la saleté. Et en fait ça me dérangeait, donc j'ai pris un ciseau et j'ai coupé au niveau pour enlever la saleté. Et j'étais comme ça, mais j'ai fait que derrière. Et je sais pas si vous regardez, en fait si tu vois, là, mes cheveux ils sont courts, vous voyez, alors qu'ils sont censés arriver à là. Bref, bah en fait j'ai une chute par rapport à ça. Et mes parents, un jour, ma belle-mère, elle me coiffait parce que c'était ma belle-mère qui me coiffait. Et un jour, elle me brossait et tout. Elle fait oh, mais t'as une chute, c'est bizarre. Je dis oh, bah, je sais pas. Alors que MDR, en fait, j'avais grave coupé mes cheveux. Je sais pas pourquoi. Coupé pour enlever la saleté. Eh, hey, mais t'es folle. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai une chute derrière. Ils se sont dit wesh, la poteau, elle est. Tu t'es un peu coiffeuse là. La vie, rien, n'importe quoi. Et t'en fais les petits, vous êtes fous. Je me rappelle mon frère aussi, hein. Un jour, il a pris un. Je crois qu'il a pris un ciseau et il a fait ça. C'est une dinguerie. Pourquoi t'avais ça, mon gars?
Mon gars. Et on fait n'importe quoi quand on est petit, c'est une dinguerie. Eh, laisse tomber. Bon. Anyways, nous sommes sortis de l'école. Un thème qu'on nous a demandé, Maïva, ta pire honte. Franchement, j'en ai pas. Ta pire honte. Genre dehors et tout. Ouais. Non, vraiment, moi, j'en ai pas. Honte. J'ai une honte, je vous jure. Quand je vais vous raconter cette histoire, déjà ça me gêne. Déjà, ça me gêne. C'est une histoire trop gênante. Quand ça s'est passé, je vous parle sérieux, j'avais des envies de me foutre en l'air. Sérieux ? Je voulais plus exister, moi. Moi, je voulais plus exister. Quand ça s'est passé sur le moment, je voulais plus exister. Bref, explique là. Je suis à la salle. Mais vous savez, les gens, ceux qui vont à la salle, ils savent. Je sais pas pourquoi, à chaque fois dès qu'on va à la salle, j'ai envie de faire caca. Mais même toi, la dernière fois, t'as dit que quand je vais à la salle, j'ai envie de faire caca. Ouais, mais tout maintenant, tu m'as dit que t'as peur. Non, maintenant, bah, je te jure, après ce traumatisme-là, j'ai plus envie de chier quand je vais à la salle. Tu vas comprendre pourquoi. Ah, mais tu m'as jamais expliqué. J'ai envie, hein, mais je fais jamais caca par contre. Ça, j'aime pas faire. Bah, moi, dis-toi que j'avais pas de gêne. Moi, j'allais poser mon cake avant de commencer ma séance. C'est-à-dire, un jour, je fais caca, mais un vrai cake. Ce jour-là, c'était un truc de ouf, comment j'avais mal au ventre. Laisse tomber, je me suis dit carrément. Je suis une gamine. J'ai essayé de diminuer le poussage pour ouais, que le bruit s'entende un peu moins. On a tous fait ça. Là, c'est chaud. Carrément, pour vous dire, j'étais dans cette position. Genre, vous voyez, j'étais comme ça pour que ça glisse plus vite, tu vois. Parce que, enfin bref, je vais pas vous faire un cours d'anatomie. Mais quand on est plus baissé, bah, ça sort plus vite. Oui, parce que ça normalement, faut être comme ça. Ouais, faut ramener son truc. Voilà, bref. Et là, il y a un bug. Il ouvre la porte comme ça. Et moi, dans mon caca, j'entends rien. Il ouvre la porte. J'entends. Ah. Et toi, t'es comme ça en train de faire caca. Et moi, je suis en train de faire caca. Et ça fait les. Je lève ça la tête. Je lève ça la tête. Ça fait les. Écoute, au moment où je lève la tête, on entend. Et je lève la tête. Maintenant, le poteau, il me regarde comme ça. En mode wesh. Et il y avait grave des filles derrière lui. Mais pourquoi? Et pourquoi ils sont restés? En fait, j'ai oublié de fermer la porte à clé. C'est-à-dire, ils m'ont regardé comme ça. Et je suis comme ça. Et genre, j'ai resserré mes jambes. Et tu sais, je lui ai dit quoi? Je sais même pas comment cette phrase elle est sortie de ma bouche. J'ai dit, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Oh là là. Et bref, il a fermé la porte. Et j'ai fini de chier tout ça. Je me suis dit, putain. Je me suis dit, ça se trouve, là il attend derrière la porte. La tête d'homme, je vais pas sortir tout de suite. Je suis sorti une heure après. Une heure après, j'ai taillé dans le vestiaire. J'ai pris mes affaires, j'ai couru à ma voiture. Je suis rentré chez moi, j'ai pas fait de séance. Je raconte un petit dernier. Voilà, et après on finit avec ça. Donc du coup, c'est deux histoires un peu similaires. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point en fait j'étais une menteuse. Mais là, alors, tu mens sur toute la ligne, toi. Non, je mens pas avec toi. Pourquoi je mentirais? J'ai quel intérêt à te mentir? Pourquoi pas? T'as pas dit t'es une menteuse dans l'âme à l'instant? Bon, c'est fini un peu mal. Dit. Bref, en gros, alors faut savoir. En fait, j'avais eu une DS à Noël et tout. Donc, c'était une DS AI, pour ceux qui se rappellent. Et à cette époque, en fait, j'allais chez ma mère. Enfin, j'habitais plutôt chez ma mère. Et en fait, j'ai pris la DS AI. Genre, j'ai emmené chez ma mère. Et un jour, quand je suis revenue chez mon père, il m'a dit ouais, Maïva, t'as pris la DS AI et tout pour aller chez ta mère. Mais moi, je sais pas pourquoi j'aimais trop mentir. Alors qu'il y avait rien. J'ai dit non, je l'ai pas prise et tout. Il me dit, t'es sûr? Je dis, bah oui et tout. Ok. Pourquoi? Là où il n'y a pas lieu de mentir. Il n'y a pas lieu, il me demande juste et voilà, il m'aurait dit, ramène là. Mais moi, il fallait que je monte. Ma mère, j'habite plus chez elle, je retourne chez mon père. Et elle a des DSI du coup dans mes affaires. Moi, j'essaye de faire quoi? Pour la cacher. Je la mets où? En dessous du canapé. Sauf que, un jour, ma belle-mère. En fait, c'est toujours ma belle-mère. Un jour, ma belle-mère, elle déplace le canapé pour nettoyer. Logique, tu déplaces partout. Elle passe le balai, elle voit une DSI. Maëva, on a trouvé la DS AI en dessous du fauteuil. Et moi, je regarde en mode, bah, oh, elle était là. Ah ouais, elle était là. Mon père, il a dit, hé, toi, t'as vu, tu commences à me saouler. Il m'a expliqué de A à Z, il m'a dit, tu crois, on balaye pas tous les soirs, à chaque fois. Enfin, pas tous les soirs, mais genre tous les week-ends, on balaye. Et tu fais genre, t'as caché la DS AI en dessous du canapé. En plus, il était trop calme quand il a dit ça. Il était trop calme, il m'a foutu une gifle. Fallait que je comprenne, tu vois ce que je veux dire? Arrête de mentir, ça y est, tu commences à me saouler. Ouais, il en avait marre. En fait, je faisais que de mentir, c'est une dinguerie. Donc j'ai menti, voilà, pour une DS. Deuxième chose, alors j'avais un iPhone 4. Putain, tu avais l'argent, toi, hein? Non, l'iPhone 4, c'était mes parents qui avaient. Et ils nous l'ont donné parce qu'ils ont pris l'iPhone 5. Bref, du père, il voulait pas du coup que je l'emmène au collège. Donc j'ai pris en cachette mon téléphone que je devais pas ramener au collège. Et mon père, il vient me chercher à 13h. Dans la voiture, je rentre, il me dit ouais, t'as pris le téléphone. Maïva, je t'avais dit de pas le prendre. Et moi, je mens.
encore. Je dis, bah non, je l'ai pas pris, il doit être à la maison. Ils ont fouillé dans mon cartable, ils ont rien trouvé. Mais tu l'as parce que je l'avais caché. Ouais, je l'avais caché là. Mais moi, une vitesse. Hein. Il m'a dit, ok, Maëva, tu mens pas, on va voir. On arrive dans le parking. Il est technique à ton père. Hein. Tu sais, le temps qu'il se gare, nous on monte. Je monte d'une vitesse, hein. J'essaie de le cacher, mon père il est déjà derrière moi. Au moment où je comptais le cacher. La vérité, au moment où j'allais le cacher en dessous de mon truc, il est là, derrière moi. Il a dû t'allumer. Tu vois, en fait, tout le temps des situations comme ça, mon père, il en pouvait plus. Des fois, je disais la vérité, il disait, faites ce que vous voulez de moi. Ouais. J'en ai marre. Bah, c'est, mon père, c'est ce qu'il voulait. Il me disait, quand on te crame, ok, tu fais des bêtises, si on te crame, dis la vérité. Bah non, moi, fallait que je mente jusqu'à la fin. En fait, je me disais, ouais, j'ai peut-être une petite chance et tout. Et MDR, quelle chance, frère. Bon, les gars, moi, me concernant, il y a un truc, je l'avouais récemment. J'en ai discuté avec mon père récemment. Mm-hmm. Je lui ai avoué, un jour, j'ai failli tuer mon petit frère. Par accident. Ah oui, tu m'avais expliqué. Je vous jure, j'ai eu la peur de toute ma vie. On était dans ma nouvelle maison, tout ça. Et j'avais un petit frère qui venait de naître. Enfin, qui venait de naître, il était petit, il devait avoir quoi, quelques mois. Hein. Et moi, j'avais quoi, j'avais 14 ans. Et mon père, il m'a dit, ouais, là, je pars, 3 à 4 heures, surveille-le. Et moi, tu connais, tu poses un petit. Moi, je me suis dit, je regarde la télé ou je joue à la play, je le pose là et vas-y, tranquille. Mm. C'était l'époque des ad spinners. C'est pas, je regarde la télé, je commence à m'endormir. Et là, j'entends quoi? J'entends. J'entends quelqu'un qui s'étouffe. Mais je comprends. Ça veut dire, moi, je fais ça. Je dis, c'est quoi ce bruit-là? Je vais dans la cuisine, il est en train de se débattre comme ça. Quand je te dis, je savais même pas que c'était mon petit frère par terre parce qu'il avait une autre couleur. Il est en train de s'étouffer. Ouais. C'est quoi, je fais. Tu paniquais. Je paniquais, je l'ai pris comme ça, je l'ai secoué, je disais. Lénaël, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai mis sur le canapé, des grosses claques comme ça sur son dos. Boum, boum. Hey, c'était des impacts, c'était même pas des frappes, c'était des forces de frappe que je lui mettais dans le dos. Boum. T'avais archi peur. Je vois un moment, ses yeux ils tournent comme ça, ses yeux ils ont tourné. Il y a plus de son qui sort, il est comme ça. Je l'ai secoué à la mort carrément, je crois que j'allais briser sa colonne vertébrale quand je vous dis, je l'ai secoué comme ça. Et là, je sais pas, j'ouvre sa bouche comme ça, mais j'ouvre sa bouche, mais violemment. J'ouvre sa bouche, je vois un petit truc. J'ai mis mes doigts, j'ai arraché comme ça. C'était un bout de... un bout d'ad spinner là. D'un coup, j'entends quoi? Il fait ça comme ça. J'étais en train de trembler. Je l'ai mis à côté de moi, j'étais en train de le serrer dans mes bras, j'étais comme ça. En train de me dire, t'as failli mourir. Et il s'est mis à pleurer, il pleurait de ouf. Et je le serrais dans mes bras, je ne le lâchais plus. Carrément, j'ai appelé mon père pour dire, vous arrivez quand là? J'en ai marre de garder les yeux sur lui là, je suis fatigué. Il aurait été mort, moi j'aurais été mort par la suite. Et dites-vous que après ça, quand il me disait de le garder, je disais non, non, je veux pas, je veux pas. Et c'est une dingue. Non, moi il m'est jamais arrivé des trucs comme ça avec mon petit frère ou ma petite soeur, jamais. Voilà, enfin, voilà. Bref. C'est la fin de la vidéo. La fin des story time. En tout cas, on espère que les petits story time vous auront plu. Voilà. C'était avec plaisir, c'était drôle. C'était drôle, franchement, moi ça m'a bien fait rire. Tranquillement, léger. Je pense que ma famille aussi vont rigoler de toute façon en regardant cette vidéo. Moi, je sais pas comment vous allez réagir. Je sais pas ouais, comment. Ouais, parce qu'il y a des trucs qui savent pas, non? Il y a des. Le truc du collège, ils ne savaient pas. Ouais. Tu connais, fro. Like, fro. Partage, fro. Commande, fro. Active la cloche, fro. C'est léger, fro. Des bisous. Mucho love. Portez-vous bien, des bisous, venez sur tous les réseaux. Pow!